Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, bien-aimés, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Il m'est un plaisir de vous revoir sur les réseaux ce soir pour passer un moment au pied du Maître. Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur ce réseau, du dimanche au vendredi, de 11h à minuit. À tous nos chers amis qui sont branchés sur le réseau téléphonique et sur Facebook, nous vous souhaitons la bienvenue, une bonne adoration et une bonne participation. Pas oublier si vous branchez sur Facebook, partagez page non, avec vos amis. Un ami va bien content pour que vous soyez capable de tomber sur page l'heure de la délivrance. Pour débuter le service de ce soir, m'a invité au côté que nous avons chanté ensemble au numéro 54 des hymnes et louanges aux charités suprêmes, le Fils de Dieu lui-même voulu se revêtir de notre infirmité, chétif et misérable, il naît dans une étable. Le numéro 54.
nuit, attendons sa venue, bientôt il règnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire, nous dirons son amour. Son amour pendant l'éternité. Et maintenant, m'a invité côté que nous avons lire ensemble le psaume 66. Puis après la lecture du psaume, la prière d'ouverture sera faite par notre bien-aimée sœur Darlene Paul. Mais nous lisons juste avant le psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Et maintenant, mes bien-aimés, ma pando au côté courrier pour en position pour la prière, tandis que nous prions avec notre bien-aimée sœur Darlene Paul. Père, tout au racin, parlons de ce qu'il y a là. Invitez toujours à ceux qui possèdent des enfants ou encore qui viennent dans le pardon et qui viennent nous mettre pour grâce envers nous-mêmes. Nous vous remercions de ce que vous faites, nous passions une bonne journée, sous la divine protection. Pendant la journée, ça, nous, par contre, combien, Seigneur, papa, accident, combien la mort, ou épargner nous. Il y a un peu, Seigneur, dans le moment ça, qui n'a pas de chance. Seigneur, il y a un Seigneur qui est sous la bande de l'hôpital, il y a un Seigneur qui, son machine qui a fait vivre. Mais nous-mêmes, nous faisons nos grâces, nous, éternel, nous, beau gloire, même seulement mérité. Nous remercions pour grâce, pour amour, pour compassion, pour bonté envers nous-mêmes. Et nous remercions, Seigneur Papa, pour les
Seigneur, de prier ça, Seigneur, je te rassure, papa. Éternel, pour programme ça, que Seigneur, je te rassure, papa, on te soupire pour nous, pour les petits. Demande au Seigneur avec nous, à diriger nous, à protéger nous, à faire nous comprendre tout ça, que n'attendez au Seigneur et nous, Seigneur, nous connaissons en pratique, Seigneur, de papa. Éternel, je te rassure, papa, nous remercions pour amour, pour bonté, pour tout ce qu'on fait pour nous, pour tout ce qu'on continue à faire pour nous. Et bien, nous ne pouvons pas faire pour nous, l'éternel, je te rassure, papa, nous ne pouvons pas même connu, l'éternel, nous remercions au Père. Parce que nous ne pouvons pas l'autre monde que nous-mêmes seuls, l'éternel, papa. Nous demandons au Seigneur, en moment sacré, l'éternel, dans le moment de délivrance, Seigneur, assurez à Seigneur, je te rassure, papa. Nous demandons au Seigneur, je te rassure, papa, pour avec nous, l'éternel, je te rassure, papa, dirigez-nous, l'éternel, papa, protégez-nous. Et fait que le Seigneur, je te rassure, en moment sacré, n'a pas si un Seigneur, nous ne pouvons pas seul vous gagner ici, l'éternel, je te rassure, papa. Avec nous, dirigez-nous. Fait que nous demandons l'expression pour guider nous et pour faire pour avec nous pendant un moment. Ça. Nous connaissons, Seigneur, nous ne pas dire, nous ne pas méditer tout à ce. Mais c'est dans nos petits tout qui vit, qui demeure de maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous suivez l'heure de la délivrance? Un programme diffusé chaque jour sur ce réseau, du dimanche au vendredi, de 11h à minuit. Et minuit, comme vous savez, c'est l'heure de la délivrance. À tous nos chers amis qui sont déjà branchés, à nous toutes qui sommes toujours fidèles à l'heure de la délivrance, eh bien, nous sommes contents que nous sommes capables de retrouver à soyons, pour que nous sommes capables de passer dernière heure ça dans pied Jésus. Dans pied maintenant, parce que c'est lui-même seul qui espoir nous. C'est lui seul qui défenseur nous. C'est lui seul qui est capable de répondre à cri cœur nous. C'est lui seul qui est capable de délivrer nous. Dans le monde tête en bas ça, dans le monde à l'envers ça, que moi-même avec vous, nous avons vivre. Mes chers amis bien-aimés, nous sommes encore à l'exploration du livre d'Ésaïe, côté que assoyant, nous allons voir le chapitre 27, nous sommes au chapitre 27 du livre d'Ésaïe. Il est dit en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici, le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée, comme le désert. Là, pâture le veau. Il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler.
C'était un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secoua des puits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés, un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ici prend fin la lecture du chapitre 27 du livre d'Ésaïe. Là encore, mesdames, messieurs, vous voyez la grandeur, la puissance, les merveilles de l'Éternel en faveur de son peuple. Et aussi, au capable jugement, bon Dieu, qui exécutait sous nation, barbario, nation qui sortit pour capable détruire peuple, bon Dieu, c'est-à-dire Jérusalem et Juda. Donc, ces mêmes gens, comme toujours dit, moi-même avec vous, lorsque nous prenons détermination pour que nous marchions avec bon Dieu, lorsque nous prenons détermination pour que nous capables de repentir, pour nous changer de direction, lorsque nous prenons détermination pour que nous capables de faire volonté bon Dieu, eh bien, bon Dieu constitue un tour, une forteresse pour moi-même avec vous. Li ban nou protection, li secouri nou lorsque nous en danger, lorsque genyen ennemi yo qui sorti pour craser nous, eh bien bon Dieu campé pour que le capable défendre nous. C'est même janto lorsque nous désobéis bon Dieu, lorsque nous a fait tout ça qui pas bon dans yeux bon Dieu, eh bien li lagué nous, li livré nous dans les mains des ennemis. Même Jean que l'était fait pour peuple Israël, il laissait aller en captivité, il laissait Babylone capturer yo, il laissait Philistin yo battre yo, il laissait Assyrien yo battre yo à chaque fois que yo abandonné l'Éternel. Cela veut dire lorsque ou abandonné bon Dieu, eh ben ou livré tant qu'un petit poule qui pas gain maître. Lorsque ou pas fait volonté bon Dieu, ou rejeté principe l'Éternel yo, ou pas gen protection. À bon entendeur, salut. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour que nous capables rentrer dans cette zone de réflexion, nous, comme toujours, avec le Seigneur, m'a invité au côté que nous pral chanter ensemble au numéro 224, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Chaque instant, lutte de yoke, de dans agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que parfait agneau
Même j'encore hier au capable de venir joindre Jésus au capable approcher au de lui-même c'est qu'on suive ça qui a passé sur réseaux sociaux yo qui ont pas quelque monde qui perd du tête yo qui ont pas quelque monde qui a peut prêcher il a fait connait que Jésus que n'a parlé de lui hein li pa existe vrai depuis que ou l'homme non l'éternel ou servi l'éternel pa gafè Jésus en vrai c'est moun ki perd du tête yo et puis moun ka propager message sa yo c'est moun ki te kwè moun ki te dans l'église moun ki étudie la bible tête yo pati sourit passe nan cervelle tête yo parce que la bible dit pas gen salut en aucun autre nom sinon que dans le nom de Jésus. Jésus c'est tout pour nous. Jésus est notre rédempteur, notre sauveur, notre racheteur. C'est ça. Pas gain salut en aucun autre nom. C'est ça que la Bible dit, lorsque on va prier, on doit prier au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait nos grâces. C'est Jésus qui relie nous, qui unit nous encore avec le ciel. Lorsqu'on vient joindre Jésus avec un cœur sincère, et un cœur repentant, on est capable de joindre pardon sûrement. Pour pécher où? Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. 225. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans tes alarmes, viens à la croix.
À la croix, nous trouvons le pardon. À la croix, nous avons l'espoir de la vie éternelle. C'est donc la bienheureuse espérance que nous avons seulement, seulement à travers la croix de Jésus. Et maintenant, ma invité au côté que nous allons lire ensemble le psaume 130. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme campe sur le Seigneur, plus que les gardes ne campent sur le matin. Que les gardes ne campent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui nous rachètera de toutes nos iniquités. Amen. Et maintenant, tandis que nous allons chanter un seul couplet du numéro 281, puis la prière de confession sera faite ce soir par l'ancien Anténor Médor. Mais juste avant, nous chantons un couplet du numéro 281, plongé dans un bourbier de fange. Oh oui, je me débattais, mais en vain. Mais quand Jésus vint, mystère étrange, il me saisit par la main. 281. De fange, je me débats des maisons vaines. Quand Jésus vint, mystère étrange, je me saisis pas la main. Du grand abîme, il me sauva, son sang tourmente, forfait lava. Je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui nous sommes là, encore une fois, notre Dieu, notre Père, pour la énième fois, nous présenter devant vous à soi. Côté que nous avons, nous disons merci pour tout ça que vous faites pour nous et ça que vous continuez à faire pour nous. Nous disons merci, Seigneur, le fait que tes anges sont à côté de nous au cours de cette journée pour être capable de faire passer une bonne journée sous ton regard. Nous disons merci, le fait que vous avez nourri nous. Nous disons merci, le fait que vous avez gardé nous. Nous disons merci le fait que y a d'un côté que c'est pas nous qui avons marché, mais c'est vous qui avez marché pour nous. Nous disons merci le fait que nous avons produit, mais c'est pas nous qui avons produit, c'est vous qui avez produit pour nous. Nous disons merci Seigneur le fait que vous permettez que nous sortions et nous rentrions la canne en bien. Et tandis que y a des personnes, je dis à qui passer à la mort, mais nous-mêmes encore, vous gardez souffle de vie en nous. Nous disons merci, nous disons que nous sommes capables de bénir d'éternité en éternité. Notre Dieu, notre Père, mais nous-mêmes qui présentons devant matin avec toute fardeau, nous commettons des péchés de toutes sortes. Ça que nous connaissons, ça que nous ne connaissons pas. D'abord, notre Père est capable de laver nous, débarrasser nous de toute souillure, de façon à ce que le programme que nous avons présenté devant soit capable agréable devant nos yeux. Et que chaque monde qui souligne à ce tant au niveau Bethesda, Bethel, Moïse, est capable de voir la bénédiction. Et bénédiction, c'est capable de servir pour l'Église. Bénédiction, c'est capable de servir pour l'avancement de ton œuvre.
Bénédiction, ça va permettre que le message vous passe à travers la terre entière. Bénédiction, ça va permettre que chaque monde qui est venu va voir que nous sommes des chrétiens fidèles, des chrétiens qui servent, mais en Dieu, en Dieu qui est vivant. Donc, tu dis, notre Père, nous demandons pardon pour pécher nous. Nous demandons pardon pour pécher chaque monde qui sont là. Il y a des personnes qui sont malades, Seigneur, nous demandons pardon pour pécher. Il y a des personnes qui ont souffert avec eux. En douleur quelconque, nous demandons pardon pour pécher. Ça fait souffrir, ça fait une douleur, je pense que nous péchons. Et bien, dans le jardin d'Éden, nous fait des choses qui sont désagréables à nous-mêmes, notre Dieu, notre Père. Nous demandons qu'on ne va pas garder nous à travers péché, nous. Regardez à travers le péché. Notre Dieu, notre Père, nous demandons qu'on ne va pas pardonner péché, pasteur, là. On ne va pas pardonner péché, les leaders du pays. On va pardonner les péchés, tout le monde nous a. On va pardonner les péchés du plus grand au plus petit, les anciens, les diacres, les responsables de l'Église, tant au niveau de la conférence et jusqu'à nous-mêmes. On va pardonner les péchés chacun de nous. Et comme ça, Seigneur, va sanctifier nous. Et à partir de cette sanctification, nous sommes agréables devant Dieu pour nous offrir culte ça à soi. Notre Dieu, notre Père, il y a des personnes parmi nous qui. Désespéré. Il y a des personnes parmi nous actuellement là qui découragées. Nous avons besoin de faire force dans la faiblesse de façon à ce Seigneur qui va rétablir. Et non seulement les rétablir, gloire qui va éclater. Et les gens qui ne sont pas connus capables, oui, nous sommes des chrétiens qui ont servi au grand maître. Les gens qui cœur de petit prix. Même Jean-Seigneur, l'enfant prodigue qui a quitté et l'air de retourner nous. Papa, tu prends la deux bras. Il y a des personnes actuellement à ce qui a tourné face vers eux-mêmes. Il y a des personnes tout qui ont tourné face vers eux-mêmes et qui ont retourné vers le roi après ou à deux bras. On va mettre nous en basel, cacher nous en basel. Et comme ça, Seigneur, quel que soit mal fini qui a essayé de faire rage, passer autour de nous, nous allons cacher en basel et en mal pas arriver. Notre Dieu, notre Père, Satan a rôdé autour de nous comme un lion rugissant pour capable dévorer nous. Nous demandons au bon papa pour capable avec nous, protéger nous, pardonner péché nous. Qu'aimez-nous en basel encore une fois. Et pour ça, Seigneur, nous avons été attachés à nous-mêmes comme nos branches attachées au cèpe. Et que quelque chose à ça qu'on a fait, nous avons été attachés à nous-mêmes pour le reste de notre vie. Sanctifiez-nous, pardonnez péché nous encore une fois. Nous supplions devant parce que nous sommes nous dignes, mais nous supplions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur ce réseau, du dimanche au vendredi, de 11h à minuit, à toutes en minon. Qui est toujours fidèle, qui est branché depuis au début et qui est à peine branché. Nous souhaitons bienvenue, une bonne adoration et une bonne participation. À aux mêmes amis qui est branché sur Facebook, pas oublier, partagez page non. Cherli, à vos amis. Et le ça, amis, ça va content que l'y tombe sur programme ça. Bien. Mes chers amis bien-aimés, hier soir, nous avons débuté une nouvelle série. Côté que nous avons avec vous les événements, le livre qui est intitulé « Événements des derniers jours » qui est écrit par la servante du Seigneur, à savoir Ellen G. White. Hier soir, nous avons fait parler avec vous sur la crise finale, la dernière crise qui vient pour frapper la terre. Et hier soir, nous te montrons aussi que le temps de trouble l'a déjà commencé. Nous déjà entré dans le temps de trouble. Et nous te montrons que ça ouais qu'a passé dans le monde aujourd'hui, l'a pas encore rien. Parce que tout autant que nous avons approché plus près du retour de Jésus, eh bien, bagayo a vin pidu. Nous te montrons que nous pas besoin espérer que rien dans le monde ça a meilleur. Tout bagay après aller de mal en pire jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne vienne délivrer nous. Nous encore dans chapitre 1er
Côté que il est dit, Dieu nous a annoncé ce que nous devions attendre de nos jours. Puisque bon Dieu pas fait rien, il pas fait bon Dieu pas prend personne monde au dépourvu. Il pas prend personne monde à l'improviste. Bon Dieu toujours annoncé depuis dans tant longtemps jusqu'à aujourd'hui, bon Dieu toujours annoncé à petit li qui ça pral arriver, qui ça pour yo attendre. Après la crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il, avant la crucifixion, lui expliquait à disciples ça que yo doué pour que yo capable ouais, ça que yo pral ouais, ça que yo pral joindre. Li fè yo konnen ke gen an pil nan yo ki pral, yo pral sakrifye, yo pral tuye, yo pral pandi yo tèt an ba, yo pral pase pa de martir. E nou wè ke Jésus-Christ fè yo konnen ke li menm li gen pou ke li yo masakre li, men yo pa bezwen pe paske la resusite le troisième jour. E les anges etè prezan pou grave se parol dan les esprits et les cœurs des disciples. Malheureusement, nous voyons que disciples yo quoi que Jésus t'ait annoncé ou ça, lorsque mesdames yo allé dans tombeau un dimanche matin, yo voyons que Jésus déjà levé et mesdames yo couru pour y aller dit disciples yo ça et disciples yo en pile n'ont pas été quoi, yo pas voulu quoi, tandis que Jésus qui t'ait déjà annoncé yo, c'est même bagarre non. La Bible fait nous connaître qui ça qui pral arriver au dernier jour, qui ça pral arriver avant que Christ retourne. Cela veut dire nous toutes nous avertis. Ainsi toute prophétie yo qui écrit yo, l'avenir nous est dévoilé aussi clairement qu'il était pour les disciples. Grâce aux paroles du Christ, les événements liés à la fin du temps d'épreuve et à l'œuvre de préparation au temps de troubles nous sont clairement présentés. Mais les multitudes n'ont pas plus de connaissance de ces importantes vérités que si elles n'avaient jamais été révélées. Donc, nous voyons que tout ça qui est pour arriver au dernier jour, yo révélé dans la Bible, le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel qui marchait de pair, le livre de l'Apocalypse qui est un livre qui décelait qui contrairement au livre de Daniel qui était scellé pour le temps de la fin, c'est ça que fait le révélateur Jean. Donc il décelé livre ça, prophétie ça yo tout yo décelé. Eh bien, les prophéties des derniers jours, li exiger attention moi-même avec eux. Servante n'a dit je vis ensuite le troisième ange selon Apocalypse chapitre 14, 9 à 11. L'ange qui m'accompagnait dit son œuvre est terrible, épouvantable. Sa mission, c'est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller au lieu les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention. Donc c'est ça dans Apocalypse chapitre 14, nous voyons que l'ange non dit gen yon voix qui dit à l'ange qui kembe les quatre coins de la terre pour capable faire dégâts à la terre, pour capable faire tomber désastre avec catastrophe sur la terre. Cependant l'ange nan dit eh bien kembe van yo les quatre coins de la terre pour qu'on fait un rien à la terre, ni aux arbres ni à la mer, jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu soient marqués du sceau de Dieu. C'est ça que nous relève le sceau de Dieu. Maintenant, si qu'on besoin gain plus explication, la différence qui gain entre le signe de Dieu et le sceau de Dieu. Au capable brancher sur channel moi dans YouTube dans sermon qui est intitulé le sceau de Dieu au capable ouais différence non, parce que tout monde qui recevoir le baptême évangélique qui accepter Jésus dans la vie ou recevoir un sceau,
C'est ça que livre Éphésiens dit. Vous êtes scellés le jour de votre baptême. Vous recevez le sceau, ou gon sceau sur vous. Tout le monde qui baptise tout bon, pas du monde qui baigne. Monde qui baptise tout bon, ou recevez le sceau de Dieu. Cependant, sceau que nous avons parlé ou non, à la fin des temps, tout le monde qui persévère, parce que aucun doit recevoir le baptême, mais ou pas persévéré dans l'observation des commandements de Dieu, ou pas persévéré dans l'observation du sabbat de l'Éternel, c'est ça que fait. À la fin des temps, avant Christ retourner, il dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Cela veut dire tout le monde sa yo, qui persévéré dans l'observation du sabbat de l'Éternel. C'est moun sa yo qui va épanier à Marc de la bête. Non, c'est moun sa yo qui va recevoir le sceau de Dieu sous yo. C'est le dernier sceau. C'est le triage. Bon Dieu va sceller moun sa yo pour la vie éternelle. C'est ça qui fait moun sa yo pap gen Marc de la bête. Non. Et qui te m'boy yon l'autre secret. Peut-être. Si m'ta gen tan, assurément m'a publié le sous channel mwen. Cependant, bon boy yon lot secret. Moun ki a fait discussion avec chiffre 54 000 lan. 54 000 lan, li pa yon chiffre ki littéraire, ki littéral. C'est yon chiffre symbolique lié. 54 000 lan, li représente tout moun ki pa recevoir mag de la bête nan. Chiffre 54 ans représente tout monde qui a vivant. Tout chrétien qui a vivant lorsque Christ retourne, qui a sauvé. C'est-à-dire, tout chrétien qui luttait, qui résistait contre la marque de la bête. Yo résistait, yo pas prend marque maintenant. D'ailleurs, c'est ça Apocalypse, ou, dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, c'est ça que le dit. Il dit que ceux qui font partie des 54 000, ce sont ceux qui luttaient contre la, qui n'ont pas pris, qui n'avaient pas pris la marque de la bête. Eh bien, écoutez, moun ka pal en pile, qui a dit 54 000, c'est juif, c'est ceci. Écoutez, moun qui pas prend marque de la bête, nan, moun qui mourit, Abraham, père Abraham, Jacob, nous avons Père Abraham, Jacob, Isaac, tout ancien patriarche, yo, tout ancien chrétien, dans tant longtemps qui mourit. Eh bien, moun sa yo, yo pas qu'à faire partie de 54, parce que yo pas qu'à lutter contre la marque de la bête. Parce que pot kogen marque de la bête, n'entend pas yo an. Pot kogen persécution, n'entend pas yo an, pour yo résister contre la marque de la bête. Alors ça son secret que m'baou, puisque m'pap déchiffrer 54 000 lan kon y a. Donc m'juste ouvri yon parenthèse pour montrer que tout ça qui gen pour rive, bon Dieu averti non. Donc tout moun qui résiste contre la marque de la bête, tout moun qui observe, qui persévère dans l'observation des commandements de Dieu, eh bien moun sa yo, c'est yo même qui va gagner pour que yo capable hériter le royaume des cieux pour que yo capable sauver. Donc non averti, mesdames messieurs. Servant n'en dit ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu afin d'être conduits et dirigés par lui comprendront l'enchaînement régulier des événements qu'il a prévus et ordonnés. Ça veut dire tout le monde qui a marché avec bon Dieu au besoin pour que yo capable demander bon Dieu l'Esprit Saint afin que yo capable comprendre tout événement qui a déroulé avant Christ retourne. Nous devons spécialement étudier les livres de Daniel et de l'Apocalypse. C'est maintenant dit que nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter spécialement sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse, comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour ces derniers jours, Jean que moi t'ai dit tout à l'heure. Cela veut dire, mes bien-aimés, m'a supplié pour que vous capable lire livre Apocalypse avec Daniel
écoutez, lorsqu'on lit livre ça yo, moun pa ka troubler l'esprit ou. On pa ket faux l'évangile qui dehors, soi-disant pasteur adventiste, soi-disant moun qui adventiste longtemps, yo gon pa ket faux message. Faux l'évangile y a simaye dehors. Eh ben, pour que ou capable détecter ça y a fait yo, ça y a dit yo, est-ce que c'est vrai ou besoin pour lire la Bible. Nous arrivons dans un moment côté que ou pas besoin c'est moun qui a dit ça la Bible dit, ou besoin pour lire tout ou même. C'est ça Béréen ont fait. Les Béréen étaient intelligents. Donc yo toujours à consulter, à vérifier tout ça apôtre yo dit yo pour que ouais ça apôtre yo dit est-ce que c'est vrai. M'pa mande personne moun pour prendre aveuglement un bagaille comme dit. Lorsque moi dis yon bagay, al vérifie l. Et selon l'esprit bon Dieu kap guide, moi reste kwè ke m'ap dirijo nan bonne direction. Moi reste kwè ke m'ap bon bonne information. Mais si que ou ta va wèm bon yon information ki pa biblique, ou de refute l même côté a. Les prédications encore non accomplies du livre de l'Apocalypse vont bientôt se réaliser. Ces prophéties seront étudiées maintenant avec diligence par le peuple de Dieu et devraient être clairement comprises. Elles ne cachent pas la vérité, elles nous avertissent clairement, nous annonçant ce qui doit arriver. Mais restez quoi que, puisque m'bagain l'un encore, m'a prêté là, donc l'important, mesdames et messieurs, pour que nous capables de comprendre qui ça qui pral vini avant que Christ retourne, qui jan le monde pralier. Afè coronavirus ou kap fè la pye le beau temps ou pa ko wè anyen. Ou pa ko wè anyen. D'ailleurs, m'te dil déjà et m'ap continue dil. Virus san pa ko pralé zanmi. C'est moi-même avec ou ki besoin pour nous adapter nous. Le monde pral besoin pour que yo adapte yo. Mais virus nan, li pa ko pralé. Parce que li gen un purpose, gen un but. Gon objectif bien déterminé qui fait bon Dieu quitter virus n'a fait ravage toujours. Si bon Dieu te voulait, te ka camper non seconde. Pilier moun ka prier pour virus nan camper. Mais non, bon Dieu gen un plan. Li gen un plan. Donc, ou même kap tandem chaque soir, ou besoin pour que ou capable comprendre, c'est ça que fait dans le livre de l'Apocalypse dit heureux. Yon moun ki li et ki tande. Donc, ki ou kapab range kozo, range sa foi avec bon Dieu. Li le livre de l'Apocalypse, spécialement livre Apocalypse dans l'île, et mande bon Dieu l'Esprit Saint pour ki ou kapab comprenne. Nou pral fon ti bout louange pour le Seigneur, kote ke m'ap invite ou, nou pral chante ensemble au numéro 287 des hymnes et louanges. Exaltons notre divin maître dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Exaltons notre divin maître, dans l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur. Notre Seigneur victorieux, il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous
fait s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Que brille la lumière, sa précieuse vérité, lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Nous désormais suivons sans crainte sentier de l'ami divin, écoutant toujours sa voix sainte, nous sommes dans le chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur, 596. Entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Quel repos Jésus le tient si dans la nuit. Dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus. Avec Jésus, oui, tout est bien. Et où récif écueil menace qui présageait plus de malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail, de Manassès, le haut, quel repos, oh quel repos, quel repos, Jésus le tient, si dans la nuit, si dans la nuit. Mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre mon sauveur. Le gouvernail, de Manassès, le haut, quel repos, quel repos, quel repos.
avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus, pour mon pilote, pour moi, tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit qui flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus, tout est bien. Parfois, au milieu de la nuit, non pantal endormir parce que problème yo trop ou penser à difficulté la vie ou pas ka dormi parfois ennemi en tout li vin fò peur durant la nuit li vin attaquer ou durant la nuit. Cependant, bonne nouvelle que m'gen pour ou, avec Jésus tout est bien. Quel que soit attaque durant la nuit, quel que soit problème, difficulté, ou pas gen sommeil, ou appelé de réveiller, ou appelé de sauter dans dormir, si que Jésus li avec ou pas gen pour peur en rien, parce qu'avec Jésus tout est bien. Zanmim, si côté capable gen les yeux de l'esprit pour te capable de combien attaque, bon Dieu, préservez ou. Si vous êtes capable de yeux pour combien légion ennemis qui pavent les rois qui viennent attaquer ou. Pendant la nuit, durant la journée. Parce que Satan campé en quoi? Satan s'est menté pour que moi-même avec ou pour le troubler nous, pour le perdre nous. Et lorsque le ouais que nous persister dans bon Dieu nous en, eh bien les voyer fait malheur vienne tomber sur route nous juste pour ouais si que le va gagner nous. Ce madame vienne pour me dire quelle que soit stratégie attaque ennemi en utiliser au besoin pour que vous capable demeurer ferme dans Jésus. Parce que Jésus n'a pas abandonné. C'est monde qui persévérait jusqu'à la fin. C'est monde qui a remporté la victoire. Zanmim, écoutez, monde qui a marché avec mon Dieu, ou gen yon puissance ou, ou gen doit pas reconnaître puissance nan. Ou du moins, ou gen doit mépriser puissance nan. Gen yon pile monde qui pensait que bon Dieu pas servi avec monde gens que l'te kon fait longtemps. Gon paquet moun ki pense que l'esprit bon Dieu pa en action nan mitan peuple bon Dieu an jante longtemps démenti moun sa. Tout simplement bon Dieu gen yon nouvelle dispensation. Li gen yon nouvelle façon que li travaille. Même bon garanti tout moun ki a marché avec le Seigneur, tout moun ki connecté nan Jésus tout bon, ou gen même puissance apote longtemps ou te genyen. Ou genyen ni. À moins que ou ap mache klopi klopan. À moins que ou sou blof. À moins que ou ap roule de bord. Parce que kote, c'est pas tout moun kap di Jésus, Jésus qui connecta Jésus. C'est pas tout moun kap fait bruit, kap pompe, kap vole, qui connecta Jésus. Parce que li facile pour rele nan Jésus, il facile pour citer Jésus dans bouchou. Il facile pour prendre Jésus pour parler de Jésus. Mais connecter avec un monde, avec parler de un monde, c'est deux bagages différents. Ma parle de monde qui connecté à Jésus tout bon. Yon monde qui connecté à Jésus tout bon, monde ça, il gon puissance la kay li.
si qu'on croit, on va avoir gloire bon Dieu. Ma bien vite au côté que nous avons lire ensemble le psaume 124. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégea? Quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Zamim, assoyons, nous allons prier. Nous allons frapper rocher. Nous allons demander bon Dieu pour qu'il fasse un miracle dans mitan nous. Nous tout qui soulignent nous avons attendu un miracle. N'a pas tant à quelque chose d'extraordinaire. Et puisque Jésus nous a pas changé, li pas changé. Li nan mitan nous en esprit. Donc même merveille qu'on fait longtemps yo, li ka fait nan mitan nous. Li ka ouvri porte pour ou. Li ka débloquer ou. Li ka défend nous. En bas griffe ennemi an qui vle pour que le capable terroriser ou pour que le capable détruire ou complètement. Jésus capable défendre nous. Maladie qu'on gagne qui fait peur non. Jésus qui capable renverser maladie ça. Pas gagne maladie que Jésus pas ka renverser. Moi ouais en pile merveille déjà. En pile miracle que Jésus fait, monde que Jésus guérit. Eh ben s'il te fait déjà, il ka fait encore. Et il ka fait pour tout. Ou besoin pour placer confiance dans lui et marcher droit devant. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence. C'est ta présence, ce divin berger. Par ta puissance, brise sous mes ma résistance. Sois-en le maître incontesté. Quand Dieu contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus. Thank you.
désir de ressembler. Tant je désir de ressembler. Comme je m'élance je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, sauve fidèle, le tiens-moi caché. Sauve fidèle, tiens-moi caché. Sans même nous arriver dans un moment, côté que nous pourrons frapper Rocher, côté que nous pourrons adresser nous à papa, nous que nous sûr, li avec nous, li sous côté nous, ou juste besoin. Pour que vous soyez capable d'agir fort. Ou pas rien qu'on a fait. Ou pas rien qu'on a besoin de faire. Ou besoin pour que vous fassiez le vide en vous-même. Ou besoin pour que vous soyez capable de confesser tout bon avec bon Dieu. Ou besoin pour que vous soyez capable de repasser la vie. Ou. Repasser tout ça qu'on a fait. Tout ça qu'on a fait et qu'on a fait actuellement. Qui n'a pas fait bon Dieu plaisir. Passer, confesser. Mandez bon Dieu pardon. Mande bon Dieu pour le fort grâce. Et mande bon Dieu si que c'est volonté li pour que le fait un miracle pour vous. Pour que le fait une intervention pour vous. Parce que le capable. Pas grand rien que zanmim nan pa ka faire pour vous. Jésus est mon ami. Il est mon ami suprême. Il pas grand rien que le pa ka faire pour vous. Tandis que nous a prié cause avec. Tandis que nous a prié. Douleur qu'on gagne, mette main au souli, pose main au souli. Et fais bon Dieu confiance. Prions le Seigneur. Ô Éternel, Dieu des cieux, Père de toute éternité, c'est avec un cœur repentant, un cœur contrit, c'est avec un cœur rempli d'allégresse que nous approchons par devant ton trône de grâce en ce moment. Nous venons pour que nous disions merci. Nous venons pour que nous soyons capables de dire merci pour pardon péché nous. Merci pour tout ça qu'on fait dans la vie nous, pour bienveillance nous, pour protection qu'on ban nous. Car n'était-ce pas ta grâce, Seigneur? Les ennemis nous auraient engloutis tout vivant. N'était-ce pas ta grâce, ô notre Dieu? Notre âme serait bien longtemps reposée dans le séjour des morts. Mais nous disons merci parce que vous aimez nous. Nous disons merci parce que vous avez un plan pour nous. Oh, dans un moment ça, Père, petit ou yo branché sous réseau ça. Chaque soir, soir après soir, parce que yo croyez en vous, parce que yo connaît que gen yon puissance dans la prière, yo connaît que prière pas gen frontière, prière pas gen barrière, et yo vini nan pio parce que yo connaît ou là en esprit, ou di nan parole ou, lorsque deux ou trois sont rassemblés en ton nom, ils sont d'accord, ou là nan mitan yo. Et n'importe ça que vous demandez, vous mettez quoi que vous déjà joigné. Ou dit dans la parole aussi, mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Je guérirai sa maison. Ô Dieu des cieux, nous venons réclamer promesse à yo.
ou dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Nous besoin repos à soi pour nous. Nous besoin repos à soi pour l'esprit nous. Nous besoin repos à soi pour corps nous parce que nous fatigués dans monde péché ça, nous abois, nous à bout Père éternel. Nous venons devant vous parce que vous faites nos promesses nan, et nous réclamons promesses nan. Oh, vous t'étendez, Abraham. Le Abraham te crié, te parlé avec vous, t'étendez. Le Isaac, Jacob te parlé avec vous, t'étendez. Le apôtre te parlé avec vous, t'étendez. Le Élie te parlé avec vous, t'étendez. Nous sommes de la même nature que ces gens, oh Dieu. N'a demandé au fait nous grâce, manifester puissance sous nan mitan nou. O grand pile petit ou qui sous réseau an. Actuellement Seigneur, yo ap cause avec ou. Genyen qui ap touché en douleur que yo gen kon ya la. Genyen Seigneur qui ap levé main ou en l'air parce que yo a bou. Genyen Seigneur, l'eau pa ka séché nan zye yo. Genyen kon ya la Seigneur qui ap cause avec ou qui ap mande ou pour faire grâce pour faire miracle pour yo. Oh, nous ne pas passer volonté qu'a passé. C'est volonté qu'a fait Seigneur, volonté qu'a primé. Mais puisque nous pas connaît volonté ou, nous a continuer crier dans oreille ou. Oh, gen petit ou qui bloqué. Gen petit ou Seigneur que ennemi a fait au peur. Gen petit ou Seigneur que ennemi a terrorisé ou. Gen pile petit ou Seigneur que ennemi a fait au peur Seigneur, yo envahi par la peur. O gan pil lot ki gen problème ki pou kon konnen ki jan yo ap pral paye mwa kay nan ki a paye mortgage nan Seigneur gen kap kole chèk avec chèk Seigneur pou ki yo kapab paye kay nan ou même ki est le grand pourvoyeur de tous les âges ou même ki tout bagay ki gen sou tè appartenir à ou même Jésus de Nazareth toi le propriétaire de tout n'ap mande ou tan pri intervenu nan la vie moun sa yo. Montre au chemin, hein, papa. Ouvre route devant yo. Route qui ferme devant yo. Fais route pour yo. Parce qu'on fait route côté pas gen route. Oh Dieu des cieux, dans moment ça. Tandis que petit ou ap cause avec ou n'ap mando, fais grâce. Fais grâce intervenu dans la vie, yo, Père éternel. Oh, assoye, hein, papa, n'ap mando yon. Merveille spéciale pour Ronald Saint-Just avec famille n'a pas de délivrance. Délivrance pour famille non. N'a pas de délivrance pour Maurice Duterval. Délivrance pour Élise Noël avec famille, délivrance pour Kerline Philogène, délivrance pour Ali Jean-Baptiste avec famille, délivrance pour Jeffrey, délivrance pour Dieumène Belfort avec famille, délivrance pour Marie Prague avec famille, délivrance pour Marie Lourdes. N'ap mande délivrance pour Max André Ness ak famini, délivrance pour Whitney Emil ak famini, délivrance pour Lucita Dorelli ak famini, n'ap mande délivrance pour Marthe Auguste. Oh femme ça Seigneur li wè en pile. N'ap mande tan pri, n'ap mande consolation pour li puisque c'est ou seul qui capable consoler, c'est ou même seul qui wè kèl, c'est ou même seul qui konn pansèl, c'est ou même seul qui konnen Seigneur et c'est ou même seul qui konn pourquoi toutes ces calamités Seigneur a bat sou li. Oh n'a mande tan pri, n'a mande consolation pour li, n'a mande délivrance pour li. Oh n'a mande délivrance pour la petite Samuel. Délivrance pour Rosanna Famini, délivrance pour Martine, délivrance pour Marie-Christine, délivrance pour Jean Lestin, délivrance pour Joël, délivrance pour Joseph Kaimit ak Famini, n'abando délivrance pour Emmanuel Etienne ak Famini, délivrance pour Antenor Medo ak Famini, délivrance pour Lydie Saint-Foy ak Famini, ou n'abando délivrance, cher Seigneur, pour Patricia. Ak famini, n'a bando délivrance au Dieu pour Nandi ak famini, délivrance pour Mona ak famini. On a bando délivrance pour Daphné Kwasi ak famini.
Oh Père éternel, nous demandons une merveille, un miracle pour Harold Kwasi. Côté que l'Ian, Seigneur, nous demandons tant pris délivrance pour lui, puisque c'est seul vous qui est capable de délivrer. Nous demandons intervention, Seigneur, en faveur de lui. Oh, nous prions pour Katiana, nous demandons fond délivrance. Nous demandons fond miracle pour la famille. Oh, délivrance pour la famille McDonald, délivrance pour la famille Saint-Ulysse. Délivrance pour la famille Ulysse, délivrance pour la famille Philo-Saint. Oh, nous demandons délivrance pour Rosen Jacques avec famille, délivrance pour Yvel Garçon avec famille, délivrance pour Marcel Aurélien, délivrance pour Bethsaida Masséna. Nous demandons délivrance pour Martine Saint-Just, délivrance pour Cherline Sylvain avec famille, délivrance pour Laurette. Nous demandons délivrance pour Kellen Benoît avec famille. On a demandé délivrance pour Pasteur Fénelon Destin avec famille, délivrance pour Inode Guerrier, délivrance pour Yonel Dorélie, délivrance pour Marc Belfort, délivrance pour Onise Terméus avec famille, délivrance pour Vladimir Racius, délivrance pour Passola Jean-Charles, délivrance pour Alberta Majus avec famille. Délivrance pour Sœurette Prévillon, délivrance pour Carlo Jérôme, délivrance pour Ginette Basile ak famini, d'apmando délivrance pour Mirland, délivrance pour Nirvline Parisien, délivrance pour Annie Parisien, délivrance pour Mia, délivrance pour Manouchka, délivrance pour Christendel, délivrance pour Bermude Saint-Foy ak famini. On apmando, cher Seigneur, délivrance pour Marie-Claire. Délivrance pour Gerland Ulysse, délivrance pour Nehemiah Fontaine, délivrance pour Benoît Derifon, délivrance pour Marc Elie. N'abandonne délivrance au Dieu pour Linda Duval, délivrance pour Anicia Desrosiers, délivrance pour Elvanie Pierre-Louis Akfamini, délivrance pour Kela François, délivrance pour Marie-Thérèse. Ou à tout l'autre Seigneur que nous pas gagnons yo, qui besoin d'une intervention pressante, qui besoin d'une intervention assoyant. À tout l'autre Seigneur qui besoin d'un miracle. On demande de délivrance pour Marise Paul. À tout l'autre Seigneur qui besoin d'un miracle, qui besoin d'une merveille faite assoyant pour yo, tandis que abdomi Seigneur capable de visiter yo. Ou capable descendre côté céleste en Seigneur pour visiter yo, pour aller dans maison yo, pour toucher yo. Oh, nous connaissons pas rien qui est possible à nous-mêmes. Délivrance pour petit tout yo, Seigneur. À tout l'autre qui souligne que nous pas gain non yo, ou connaît non yo, ou qu'on adresse yo, ou qu'on problème que yo besoin, ou qu'on ça que y a faire face dans la vie en Seigneur. Jésus de Nazareth. Lorsque nous citons nom, Seigneur, la terre tremblée. Lorsque nous citons nom, Seigneur, merveille faite. Lorsque nous citons nom, miracle fait, Seigneur, pour que nom capable glorifier. Pour que le nom de Jésus capable glorifier. N'a pas demandé autant prier, fais un miracle. Fais un miracle, Père éternel, dans mes temps peuple. Afin que toute bouche capable confesser que c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Oh, dans un moment ça, papa, nous connaissons où tout est. Pas de force qui a campé devant nous. Pas de puissance qui est capable d'égaler puissance Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous avons crié, Seigneur, nous avons crié à nous-mêmes. Lorsque nous citons le nom de Jésus, il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la victoire, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a guérison. Nan nan Jésus gen délivrance, nan nan Jésus gen merveille. Oh, lorsque médecin humain yo mette point final, Jésus paraît li mette point aller à la ligne. Lorsque les hommes disent non, Jésus paraît li dit oui. Oh Dieu des cieux, ou même qui pa gen yon barrière ko pa ka krasé, ou gen petit tout souligne nan Seigneur qui devant yon barrière. Ou gen piti tout Seigneur qui gon pot fermé devant yo, mais au nom de Jésus de Nazareth, pa gon pot ki ka fermé devant ou ko pa ka ouvri, parce que c'est ou gen clé tout pot.
Oh, nous voulons l'assurance qu'on t'en décrit, non? Nous voulons l'assurance qu'on va répondre, nous voulons l'assurance qu'on va délivrer, non? Nous voulons l'assurance qu'on gagne un petit ou à délivrer à soi. Hein? Nous voulons l'assurance qu'on gagne un petit ou à débloquer à soi. Hein? Nous voulons l'assurance qu'on gagne un monde à soi. Hein? Que vous avez un mot de témoignage pour venir raconter merveilleux, pour raconter grandeur vendredi soir. C'est pour nous glorifier. C'est pour nous exalter. Oh, voilà pourquoi nous voulons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous délivre. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Ou te branché à l'heure de la délivrance, yon programme qui passait sur réseau ça chaque soir, du dimanche au vendredi de 11h à minuit. À toutes amies qui toujours fidèles qui te branché, nous disons merci parce que vous te branché. Et pas oublier si vous sentez que le programme ça il fait du bien à nous, partagez numéro 11 amis, invitez 11 amis pour brancher sur Facebook. Je souhaite qu'on capable traverser une bonne nuit dans les bras du Seigneur. C'était serviteur pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Et m'a dit au revoir.